Alors, petit déblocage. On bâtit ce comptoir. Bon, ressources qui me servent à rien parce que j'ai besoin. Mais ça me fait moins un téléporteur. C'est déjà ça. On va d'ailleurs améliorer directement. C'est lequel que je veux. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Ça, on prend. Petite construction, monsieur. Allez, vite. Attends, l'autre construction, elle est où? C'est où l'atelier? Enfin, la réserve. Ça, c'est... Est-ce que c'est ça, monsieur? Allez, vas-y, bâtis. Comme ça, nous sommes parfaits. Petit entrepôt à l'ancienne. Voilà. C'est surtout dire que c'est téléporteur, c'est le plus important. Enfin, un téléporteur ici. C'est... C'est terrible. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, enfin. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Je propose d'aller te casser la gueule. En plus, c'est tout seul. C'est littéralement tout seul. Voilà. Ça, c'est fait, monsieur. En plus, je gagne masse XP. Je suis déjà trop puissant, mais bon. Grave. Oublie pas le classique. Toujours leur foutre le feu, monsieur. Ça les apprendra. Ce qui veut dire... Ronde. Ok, j'accueille. On a récupéré un message, un indice. Ça, c'est cool, par contre. On a récupéré un indice pour... Lui, je crois. Exactement. Enfin... Faut qu'on ait avec toi. Relade. Il manque deux indices. Il faut que j'aille chercher 4 indices. Une hauteur boisée à l'ouest du comptoir marchand de Radon. Bon, quand même, ils sont sympas. Il y a les comptoirs là. On peut se téléporter. Donc, le comptoir de Radon. À qui doit-on casser la gueule? Il y a des gens par là. Et ça tombe bien. Tu n'as rien vu. Tu n'as. On paraît que lui, c'est un des grands méchants que je vais tuer. Regarde comme il est bugué, putain. Mais c'est pas possible. Regarde, il a bugué, il bougeait plus. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, mon dieu. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. Mais tape sur eux, pas à côté. Allez, piétine. Mais piétine-le, mais non, mais... Voilà. Merci bien. Voilà, on piétine à l'ancienne, monsieur. Et on n'en parle plus. Non, malheureusement, pas une des cibles. J'avais espoir que ce soit une des cibles. Et tu te rends compte comme il est resté buggy, là? Le gars, Voilà, il a attendu que je lui mette 5 flèches d'affilée dessus. Il était complètement cassé. Il y a ce lundi. Petit indice récupéré, messieurs. Ce qui veut dire... Maintenant, on va aller chercher l'autre indice. Pour toujours plus d'amusement, monsieur. Attends, je peux quitter la zone interdite? Merci. Alors, quête. Non, ordre. Donc, c'est lui. Examinez le cercle rituel en pierre près du petit port sur la boy. La boy. C'est quoi la boy, monsieur? La boy d'abord. Il y a la bonne boy et la mauvaise boy. C'est quoi la boy? Ah. Ah ça, monsieur Twitch. Mais c'est quoi la boy? Pour les... J'en ai aucune idée. Bah, je sais pas ce que c'est que la boy. Boy, c'est un garçon. Tout à fait. Attends, 2 sur 3. La forteresse de Dunsurvik. Est-ce qu'on leur a pété la gueule à la forteresse de Dunsurvik? J'en sers moi de sur ta zone survie, quoi, elle est.
s'amuse bien. Triompher de l'outre à boisson à la taverne de Dublin. Enfin, on a déjà fait ça. Mais on l'a pas déjà fait. La taverne de Dublin, enfin. Bon bah, on tourne à la taverne de Dublin, écoute. Mais toi, ouais, du coup, j'ai 15 indices à trouver comme ça. Voyez-vous, enfin. Alors, la taverne, monsieur, déjà pour commencer. Coucou, engin, vous allez bien. La taverne, vous êtes où? Qu'est-ce qui ressemble à une taverne par là? Il y a rien qui ressemble à une taverne en fait. C'est quoi l'icône de taverne? Le serpent? Le serpent, c'est la taverne? Peut-être. Je ne sais même pas ce que c'est la taverne, monsieur. Ça va, engin. À part que je me rends un petit peu fou. Enfin. Voyez-vous, enfin. Attends, on va récupérer ça. Oui, Crinkly Kreia, si tu veux. Parce que le jeu, est, le DLC est très mauvais. Ah, et Eivor, grâce à tout. Le miel est-il si. C'est de l'or liquide. Ouais, si tu veux. Ah, j'écoute même plus ce que t'as à me dire. J'écoute même plus. Vas-y, débloque-moi les trucs. Voilà, monsieur. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qui va nous manquer? J'ai déjà les trucs, ça sert à rien, mais écoute. C'est pas grave. Livrons, livrons. C'est bon. Voilà, livraison faite. Très bien. Rien au revoir, Eivor. Merci bien, très cher. Donc, ce qui veut dire. Moi, je suis venu ici, moi, en fait. Pour la taverne, mais je sais pas ce que c'est la taverne en fait. Est-ce que c'est du 8? Dis-moi que c'est la taverne ça, monsieur, s'il te plaît. C'est absolument pas une taverne, clairement. Du coup, je sais même pas où est la taverne de Dublin, putain. C'est de la merde, ce DLC. Ça peut ressembler à quoi une taverne? Y'a pas d'icône. S'il y a pas d'icône, faut le faire à l'ancienne. Pourquoi je fais ce thème pas? Parce que je suis obligé, monsieur. Faut que je finisse. Je pense qu'on va commencer let's play. Et ensuite, parce que... Pour le principe. Pour le principe, monsieur. Elle est où la taverne, ça? Elle est où la dame qui veut se bourrer la gueule? Moi, je suis chaud, là. Je t'attends. Après, c'est que du bien, c'est super grand. Et je trouve pas de taverne. Y'a vraiment pas de taverne, madame? Je sais pas, y'a pas d'indication, y'a pas quelque chose qui s'affiche pour la taverne? Vraiment? J'en peux plus. C'est quoi, 18h30? On n'arrivera jamais à le finir aujourd'hui. Je sais même pas où c'est cette putain de taverne. Y'a pas un indicateur visuel sur les tavernes? C'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Une taverne. Bah, elle est là, la taverne. Quand je la vois pas avec l'indicateur. Quand je mettais. Mon pouvoir. Pourquoi je me prends la tête comme ça alors que c'est censé être tellement facile, monsieur? Voyez-vous, enfin. Allez, dépêche-toi. Pourquoi il me dit 47 chatters, ça n'a aucun sens, monsieur. Attends, du coup, qui est l'alcoolique par ici? Attends, il est où? 15 mètres. Ah, c'est toi l'alcoolo. Allez, vas-y, file-moi le truc. Ah oui, j'ai soif et je suis énervé, monsieur. Plus vite que moi, et c'est toi qui gagneras. On se prend pas, par contre. Très bien, vivant. Tu as de quoi parier? Pose ta mise sur le tonneau. Oh, toi, tu mises gros. J'ai d'énormes paires de bons. Lève ta corde. J'espère que c'est bien celui-ci qu'il fallait que je fasse. Merde, c'est quoi déjà le bouton? C'est A? Et concentration, là. Oh putain, c'est un effet, ça. On peut pas se rater, monsieur.
Attends, petite concentration. Putain, non, 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 non. Oh, les erreurs de con. Les erreurs de con que je fais, la double erreur en... C'est juste inadmissible. Allez. Ça passe. Trop fort pour toi. Ça passe bien même là. Oh non mais non, vas-y, choque pas les trucs aussi basiques. Tu peux juste pas faire ce genre de choses. Vas-y, ça passe. Voilà monsieur, ça sent la victoire. Trop facile. Trop facile. Bon, dis-moi que c'était bien le truc. Ouais, c'est bon, on reporte l'indice. Un indice. Un indice de plus. Et un peu d'argent. Crache pas dessus. Ça passe défi, n'est-ce pas? Examinez les lieux proches du plus... Examinez les lieux proches du plus grand arbre de Dublin. Et en plus, je suis bourré, monsieur. Comment tu veux que je trouve le plus grand arbre de Dublin? On est complètement déchiré. Mais le... Mais... Le plus grand arbre de Dublin, comment tu le trouves? Que vois-tu, ma vieille? C'est un gros... C'est passé là-bas. Non? Je vais faire ce défi pour trouver des indices sur la secte. Pour savoir qui je dois tuer de la secte pour pouvoir remonter jusqu'au big boss de la secte. Et leur fracasser la tête, monsieur. Pour moi, c'est celui-ci, le grand arbre, on est d'accord. Même s'il n'est pas en ville, ça paraît clairement, il y a des corbeaux autour. C'est sûr que c'est ça. Voyez-vous. Tout ça pour essayer de tuer le big boss. Qui sera un boss pas du tout badass en plus. À n'en pas douter. Est-ce que je peux arrêter d'être bourré? Je suis toujours bourré, non? J'ai l'impression. C'est bon? Coucou Yvette, vous allez bien? Bienvenue à Gorknav. La fameuse montagne, monsieur. Qu'est-ce qu'on a à Gorknav? Ah, mais c'est où j'étais tout à l'heure. Bah, où est-ce que je suis censé trouver quelque chose? Un indice par là? Mais absolument rien. Ce serait pas celui-ci, plus haut arbre. Je suis censé trouver quoi? Rien. Y'a rien, monsieur. Attends, là, y'a un point. C'est lequel? C'est celui-ci? 50 mètres. Ça va, monsieur Miette. Ça va voir qu'on aimerait finir ce DLC parce qu'il nous les brise en petits morceaux. 32 mètres. C'est là ou pas? Mais il est où? 38 mètres. Quoi? Pourquoi il bouge? J'ai besoin de ta vue, mon ami. C'est quoi ce bordel? Pourquoi le point il est là? Mais même ça, c'est bizarre, monsieur! Et qu'est-ce qu'il disait dans le message? C'était pour qui? C'était pour lui? Examinez les lieux proches du plus grand arbre de Dublin. C'est forcément ça. Y'a rien, monsieur. Je te jure, le jeu va me rendre fou. Il va me faire craquer. Littéralement, monsieur. Y'a rien. Qu'est-ce que tu veux que je trouve comme indice ici? C'est ça, non? Le plus grand arbre de Dublin, c'est... C'est forcément ça. Est-ce qu'on irait voir le coffre? Ouais, mais non, c'est pas le coffre là. Ça peut pas être ce coffre là, monsieur. On va aller chercher, mais c'est sûr que c'est pas ça. Alors? On se sent un petit peu coincé? On se sent un petit peu coincé, monsieur. Et on part à la chasse. Bon, du coup, mon coffre, il est où? C'est pas ça, on est d'accord, non? C'est sûr que c'est pas ça, je suis beaucoup trop éloigné du... Ah, en plus, faut trouver des clés.
Vous êtes sérieux? Et tu trouves des clés ouf. Je veux bien. Trouver la clé pour la serrure. Il y a clairement pas de clé. Ah, c'est la maison, la clé qu'on a vue dans la maison l'autre fois. À la sortie de la ville, c'est sûr. Du coup, c'est pas ça? Putain, je te jure, j'en peux plus. Ce serait pas cet arbre? Je sais pas, il est où un grand arbre? Ma fille. T'as la clé là-bas. Vas-y, on s'en fout de ça. Le plus grand arbre de Dublin. Ah, ce serait celui-ci en fait, non plutôt. Ah non, ça serait plutôt l'arbre orange qu'on a vu là. Visiblement, monsieur, ce serait par ici. Côté plantation. On va y arriver. On va trouver ça, monsieur. D'ailleurs, la clé, calme-toi. Donc, l'arbre orange, il était où? Ok, il est là-bas. Il est là-bas, monsieur, allons-y. Allez, j'ai confiance en toi, tu ne te casses pas les jambes. C'est forcément celui-ci, en fait, c'était pas l'autre. On a juste fait de la merde. C'est tout le problème, c'est qu'il faut à chaque fois réussir à analyser le truc. Et comprendre correctement. Est-ce que c'est bien là? Bah, c'est forcément celui-ci. Là, clairement, monsieur, on est sur un gros arbre de compétition. Il n'y a plus de doute possible. Ah, la main 10. On l'a. L'araignée. Voilà, on va pouvoir te casser la gueule. D'attirer l'attention ici. On va pouvoir te casser la gueule à l'ancienne. À base de je t'aime pas. M'en voulez si je me barre juste? Je te cache pas que me barrer contre toi m'intéresse pas forcément des masses. Alors que me barrer. C'est bien de se barrer. Vois-tu? C'est très très bien, monsieur. Je sais pas qui vous êtes en plus. Pourquoi on se bat contre vous? Foutez-moi la paix, vous êtes des vikings. En viking, on s'aime. Paix, amour, tout ça. Vous connaissez? Au pire, en fait. Il faut que tu sois un méchant en fight. Sans jamais. Sait-on jamais? Attends, merde, c'est quoi? RT? Enfin, tu peux? Ça, ça marche toujours. Parce qu'avec un peu de chance, c'est un des méchants. Voyez-vous. Non, tu te calmes. Merci. C'est pas un des méchants. Mais j'avais l'espoir. Il peut y avoir un con parmi eux qui est un des gars qu'il faut tuer. Donc, jamais sous-estimer l'importance de tuer absolument tout le monde. Voyez-vous. Ça peut... Ah, tu vois? D'ailleurs, petit papier, non? C'est pas un indice? Non. Dommage, j'avais espoir. J'avais espoir, voyez-vous. Rien de plus. Et... Attends, du coup, c'est une zone... J'aurais d'être ici ou pas? Je sais pas. Par précaution, cassons-leur la gueule. Et on réfléchira plus tard, monsieur. Non, mais... Est-ce que t'es des... T'es sympa ou pas? Fais ta main à la climat. Attends. Meurs pas par contre, ce serait gentil. S'il te plaît. Et au passage, n'oublie pas le fameux coup. Qui marche toujours. Le meilleur des coups, monsieur. Occupez cet imbécile. Non mais tu te calmes. Voilà. Au suivant. La même. Et on n'en parle plus. Parce que c'est compliqué. C'est pas si compliqué. Souvent, je sais même pas pourquoi je recasse la gueule. Toujours l'espoir qu'il y a un méchant, mais. Statistiquement, j'ai quand même peu de chance. Voilà. Les petits coups sont magiques. Littéralement, c'est tout. Il y a tout ça pour ça. Et bien écoute, tout ça pour ça. Je ne vois rien de plus. Y'a pas d'indice, y'a rien. C'était juste un cassage de gueule en bonne et due forme pour le plaisir, monsieur. Pour rester en forme, voyez-vous. Ok, tu peux au-dessus. Ça, on est full. Ce qui veut dire que je peux aller l'exécuter. Où est cette délicieuse dame? Vas-y, marqueur. Histoire qu'on puisse se faire des gros câlins. En plus, t'es juste là. La bouffe. Bon, mademoiselle! Est-ce que vous m'en voulez beaucoup si je vous mets un petit coup d'exécution?
Tu me connais pas, a priori, je peux t'exécuter à l'ancienne. Littéralement. Sans le moindre combat. T'as même des combats qui sont même pas épiques, c'est juste des exécutions à l'ancienne. Sans le moindre respect pour l'ennemi. Bon bah, c'est fait. Elle est morte. Est-ce que je récupère au moins une info sur le suivant, peut-être? Soyez gentil, s'il vous plaît. Même pas. J'ai même pas une petite info. Rien à gratter. Voyez-vous. C'est ici? Mais je vous ai déjà pété la gueule, en plus. Parce qu'on a raté un indice. En plein milieu, sérieux, on a raté ça? Oh, le con. Il était en plein milieu. Il n'y a plus d'effort, à un moment. Examinez le Kiltober en contrebas du sommet rocheux au sud-est de Rajkroniam en Kronart. Attends, alors déjà Kronart. Donc là, Kiltober, j'y suis. J'ai raté quelque chose. Voyez-vous. Ce serait par ici. Je suppose, monsieur. Attends, est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, multiflèche peut-être? Voilà, histoire de... Ah, où est-ce qu'il me voit, le gars? Qu'est-ce qu'il me voit? Ah, sérieux, il était pas mort? Tu n'étais même pas mort, mais... Par contre, je vois que dalle. Est-ce que tu pourrais arrêter de bouger aussi rapidement? Parce que je te... Oh là, regarde l'IA, regarde l'IA. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire parce que je suis... une zone pas accessible, non, du coup, il tourne littéralement en rond. Oh là 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 là, c'est terrible, je monsieur. Non, ça se passe pas comme ça, enfin. Non, tu... Ah, là, ce serait pas un des gros boss, ça. Enfin, un des gars que je vais tuer, d'ailleurs. Vous dire. Il a tout pour, monsieur. Il est, non? Wow, salut, toi. Mais c'est charmant par ici, dis donc. Wow, oh, attends, est-ce que je peux m'envoyer mon chien? Je peux m'envoyer mon chien, d'accord, super. Un loup-garou, mais tout va bien? Ça va. C'est juste un loup-garou, monsieur. Faut comprendre aussi. Ah, attends, je sens pas du tout. C'est qu'ils font extrêmement mal. Je dois prendre le temps. Ok. Non, pourquoi je t'aime pas du tout? Pourquoi je te sens pas du tout? Ça marche pas contre lui? Mais bien sûr que ça marche, monsieur, y'a pas de raison. Quand il pourrait prendre la visée, ça serait génial. Voilà, je te serais très reconnaissant. Est-ce que je suis crevé? Merci, un loup-garou de moi, monsieur. Je cache pas que les loups-garous, c'est pas fou. C'est le seul truc qui est vraiment dangereux. Et qui peut faire mal. Au pire, on se prend pas trop la tête. On se prend pas trop la tête, c'est tout l'intérêt de la chose, monsieur. Bah alors, on a tendance à brûler? Ah merde, j'ai plus de flash, c'est con ça. Sinon j'ai une autre solution. Qui marche très très bien aussi, voyez-vous. Voilà. Je dois garder l'esprit. Ok, ce qui veut dire, l'indice il est ouf. Hein. Voilà, ce délicieux indice, monsieur, on l'a. Oh, petit monde qu'on peut tuer. Mais je vais te défoncer la tête tout de suite. Avec grand plaisir. T'es plutôt au nord. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ici? Il y a encore un coffre. Mais ça, au pire, sincèrement, on s'en fout. Tu devrais chercher encore comment l'ouvrir. Oh, je te cache pas que ça m'aille plus que moyennement. Enfin. Après, ça, on peut l'ouvrir direct. On va pas non plus cracher dessus, monsieur. C'est totalement inutile, mais merci bien. Et je crois que nous sommes bons. On peut se barrer tranquillement. Ok, un papillon. Donc j'ai tué la personne, j'espère avoir une info en plus. Croisons les doigts. Ok, ça, on s'en fout. Les gardes sont vigilants par ici. Mais nous, on l'est encore plus, vois-tu. En plus, ces gardes, ils sont littéralement tous morts. Non ? Ah, peut-être pas en fait. Du coup, j'aurais pu faire ça de façon discrète. J'ai l'impression, enfin. Mais totalement, monsieur.
Ma cible elle est où? À l'intérieur de la grotte? Attends. Le problème c'est que je peux pas. Faut qu'on fasse une exécution à l'ancienne. Et pour ça, il n'y a pas 25 000 solutions. Tellement pratique. Tellement pratique ça, monsieur. Pire. Évitons les soucis. Un petit peu de discrétion fait pas de mal. Mais je suis déjà venu ici, on est d'accord. Les coffres sont ouverts. Je suis littéralement déjà venu, monsieur. Oh, les one-shots. On les one-shot absolument tous. Trop de puissance. Ce qui voudrait dire. Ok, il va à la porte là. Celui que je vais assassiner est là-bas. Attends, récupère-moi ça. Est-ce qu'on peut y aller comme ça à l'ancienne, monsieur? Nouvel agent. Ils ont teasé. On voit le nouvel agent? Non, je crois que c'est un... tu confonds avec un... une fuite, un leak. Le nouvel agent n'a pas été dévoilé. Vous confondez avec un leak, monsieur. Me semble-t-il. Bah alors, mon petit fragile. Le brouillard. Je ne dois pas maigrir. Attends, tranquille. Tranquillement, monsieur. Attends, tu peux juste prendre tes coups. Voilà. Non, non. Attends, évitons de... Non, mais tu peux juste prendre tes coups, maintenant. Voilà. Merci. C'est compliqué. C'est pas si compliqué, monsieur. Le GG. Ah mais je sais ce que c'est au cul de toute façon. C'en est fini des rites. Mais c'était pas censé dévoiler aujourd'hui. À la base. C'est bon. Folie. Alors que j'ai tué le gars. Il a même pas filé d'indice, vraiment. Si c'est le cas. Ah oui, indice, voilà, c'est bon, j'ai un indice. J'ai un indice, on est sauvé, messieurs. Ce qui veut dire qu'on peut les tuer peut-être bientôt une autre personne. Et ça, ça nous rend heureux. Autre question, comment je me... Par là? Alors, petite indication qui est censée être par là. J'ai ce qu'il y a des gens pas sympathiques. Je n'en sais rien, je veux que je me foutiez la paix. Voilà, ton vieil indice. C'est bon? Oui, oui, oui. Je peux aller lui casser la gueule. Allons lui casser la gueule, monsieur. Marqueur, il est ouf. Voilà, enfin, on peut lui casser la gueule. Or que j'aurais pu venir directement ici lui casser la gueule sans les indices, a priori. Si tu sais où ils sont, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher les indices, en fait. Juste lui casser son énorme face. Et t'en parles plus. Qu'est-ce que vous foutez? On m'attaquera à vue. Alors? On a quelques petits soucis, messieurs. Est-ce que je vois? Ah, c'est pas très gentil. Je vois... Oula, je vois que vous êtes des vrais enfoirés. Vous avez bien attaqué de façon lâche et peu subtile. Voilà. Ça tombe bien, moi aussi, j'adore ça. Voyez-vous? Non, c'est pas toi? Bah, il est où, gars? Ah, c'est totalement pas du tout ça, en fait. C'est absolument pas du tout ce que je voulais faire. Attends, il est où? Monsieur le méchant? Bah alors? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit fragile? On a tendance à se promener tout seul, on a trop confiance en lui? Mais il faut pas! Il faut pas avoir tellement confiance. Ça finit toujours mal en général, genre d'histoire. Tu devrais le savoir. Ok, je vois que par ici c'est charmant, monsieur. Oh oui, l'indice, il est là. J'aime voir les indices comme ça. Et j'aime voir les gens que je peux tuer. Parfait! Je vais te défoncer la gueule, littéralement! Jeune padawan! Marquez la cible. Dis-moi que t'es à côté. Oh, mais en plus t'es à côté. Mais le jeu serait presque sympa pour une fois. Ils font presque des efforts. Je m'en vais de ce pas. Te mettre une énorme raclée, vois-tu? Un, deux. Ça passe cette énorme personne, peut-être? Vous êtes qui, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est pas tout ce que je voulais faire. C'est pas tout ce que je voulais faire, mais ok. Ça revient globalement au même. En fait, vous êtes en train de vous fight, et moi, comme un con, j'ai... En fait, vous êtes en train de vous fight entre les gentils et pas moins gentils. Et moi, je suis venu foutre le bordel. Ah non, c'est bien toi, toi.
Wouah, l'épée est trop badass. Moi aussi je veux un truc comme ça. Attends, mais il est trop badass cet homme. C'est con que je sois encore plus badass que toi. Mais c'est sympathique. T'as par contre vraiment les chiens, faut arrêter. Voilà. Il faut nous laisser tranquille. En plus, il se fait dans le plus grand des calmes. Voilà, on n'en parle plus. J'ai dit on n'en parle plus. Non, peut-être, éventuellement. Ah, mais, tu veux pas voilà. Ça marche toujours. Des fois, faut savoir revenir au basique. Là, j'ai peur, je peux pas le confirmer. J'ai eu un petit peu peur, monsieur. Un autre fragment que je retrouve. Oui. Dis-moi maintenant que j'ai les infos sur le méchant. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas bugué. Donne-moi le livre. Parce que si tu donnes pas les infos sur les autres, je peux pas les retrouver. Yes, c'est bon. On a l'info, messieurs. On a pas du tout assez d'infos alors qu'ils sont tous morts. Je fais comment moi pour trouver ceci? Ah oui, je peux trouver un truc. Examiner l'abbaye de Mevilla dans la baie supérieure de la péninsule orientale de Luster. Si on me voit, cela se passera mal. Par contre, on est d'accord, il n'y a pas de décalage, hein, assurément. L'abbaye de Mevilla. Salut, messieurs. Je propose de directement pas perdre de temps. Et de directement vous casser la gueule à l'ancienne. Par contre, ça se peut éviter. Allez, attaquons ces chiens. Voilà. Voilà, monsieur, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on... Par contre, c'est censé pouvoir prendre un peu plus de dégâts, t'as vu. Je te tiens. Non, non, non. Évite de prendre les trucs dans la gueule. Gardez-vous, on va y arriver. Oh, ça, les trucs de... Le cas dans un bouclier, c'est juste trop bien. Retournez la menace. Personne ne m'échappe. Tu peux... Ouf, ça fait mal. C'est ça qu'on veut, monsieur. Pas me survivre. Littéralement. Ah, par contre, faut taper dessus. Ça. Merci. Sinon, mes potes, ils comptent venir. Si on peut être plusieurs pour attaquer une ville entière, ça peut être vachement bien. Vous voyez, vous. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien. Voilà. Ça simplifie les choses. Le petit lancer de qualité premium plus plus. Ça ne tiendra plus très longtemps. Mais oula, je crains de merde. J'ai plus l'habitude, monsieur. Ouais, non, non. Au pire. Voilà. Au pire, parfois, les techniques de lâche, ça reste la base. Faut pas se prendre la tête, monsieur. Et vous l'avez trop compliqué. Encore de l'or. Oui, toujours plus. Allez, fais l'effort. C'est le dernier, tu peux le faire. C'est la dernière base. Allez, ma petite IA. Je sais que t'as de la peine, mais tu peux le faire. On y croit tous. Attends, il y a autre chose, oui. Petit coffre. Faut pas gaspiller, messieurs, c'est bien trop important. Quoi. Je peux donner un goût dans l'église. Aïe. Tu sais, pour les gens comme toi, j'ai une solution extrêmement pratique. Faites-moi tomber, qui consiste. Voilà. On en finit. Attends, si j'ai pas de bêtises. Juste là, normalement. Quoi. On a tout ce qu'il faut. Quoi. Après, comment je chope l'autre côté? Eh, hey, quelqu'un peut m'aider. Le problème c'est que c'est sûrement un pouvoir donc c'est vachement utile mais bon. Après la flamme monsieur. Allez vas-y, pousse. Il me regarde depuis tout à l'heure, il se dit pas. Hey. Allez Lia. Allez, tu peux le faire. J'ai besoin d'aide ici. Attends, ce jeu. Il est trop con, il arrive pas à contourner là. Attends, viens par là. Voilà, viens là. Oh putain, je peux pas frapper. Il est bugué. Oh mais mon dieu, mais comment tu peux faire un truc aussi bugué? Quelqu'un peut m'aider? Y'a rien qui marche. C'est incroyable. Oh putain. Et moi je peux pas ouvrir les coffres si... Putain, mais jeu de con quoi, c'est incroyable. Oh, mon dieu. Est-ce qu'ils ont pas réussi à faire un Assassin's Creed Unity aussi buggé qu'à sa sortie, quoi, Unity? Ouais, c'est la même chose, regarde, il est complètement buggé, lui.
Ah, petit info, je prends. Je sais pas, on va partir ailleurs, on verra. Pourquoi que. Monsieur, mais les bugs. C'est pitoyable. Y'a pas d'autre mot, littéralement, enfin. C'est juste pitoyable. Oh là 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 là. Le problème, c'est que je peux pas ouvrir les coffres si quelqu'un veut pas m'aider. Hey, par ici. Bon, c'est bon, tu t'es débugué, c'est trop sympa. Gros effort de ta part, vraiment, je te remercie. Ça fait plaisir de voir que ma vie t'intéresse. Vois-tu. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Attends, on récupère ça. Et la violence, monsieur, toujours la violence. Il y a toujours que cette brèche. Il nous reste quoi à récupérer du coup ici, petit sac? Ah non, mais Kiros, t'as pas idée du nombre de bugs dans ce jeu, j'ai jamais vu un... C'est digne de Unity à sa sortie, quoi. C'est ce DLC, il est fou bugué. J'ai très peu de problèmes dans le jeu de base. Mais ils ont tout cassé, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, malheureusement. Allez, je prends les matériaux. Du coup, il nous reste juste un coffre. Je l'espère, c'est débugué. Sinon, ça va vraiment être gênant. Voyez-vous? Dis-moi que c'est bon. Yes, il est dessus. Il attend l'aide. C'est bon! Voilà. On peut se barrer, messieurs. Mission réussie. Ce qui veut dire... C'est bon. Téléporteur, on a la totale. Ce qui veut dire... Il nous reste quoi? Oh, c'est bon. On sait qui c'est. On sait qui c'est. Let's go, lui casser la gueule. Parce que du coup, forcément, ça fait notamment pas des pics. Dunsfervik. Oh, mais la prudence, ça va consister à rentrer tout droit et juste leur casser leur énorme sac à merde. Vraiment, c'est ma seule unique but là. Ça va être de tout faire péter, monsieur. J'ai aucune pitié. Le Christ est à nos côtés. Voilà, rien du tout. T'étais mort. Aujourd'hui, il est clairement pas à ton côté. Lamentable. Enfin, par contre, là, vous êtes beaucoup, les gars. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas du jeu en fait. Hein, c'est bon, ils sont full bug. Regarde, ils osent pas attaquer. C'est bon enfin. Ah, il faut attaquer, messieurs. Non, non, t'étais censé. Mais c'est beaucoup trop bien ça, monsieur. On a le classique. On a le classique. Bah alors. On s'est fait casser les fesses en 15 morceaux. Je te croyais plus résistant que ça quand même. Je suis presque déçu, monsieur. Ouais, mais attends, mais lui c'est pas mon pote. Mais attends, lui c'est pas le... C'est pas le héros qui était avec nous tout le long. Il ressemble à fond. Il ressemble, tu sais, à l'assistant du roi, celui qui était bourré pendant l'histoire. On devrait être lui. Bon, sinon t'es mort, je dis ça, j'ai rien. On dirait lui. J'hallucine. C'est lui ou pas? C'était un traître? C'est clairement pas impossible. Peut-être que je suis littéralement à l'arma, il est juste où? Voyez-vous. Voilà. Ouais, y'a aucune difficulté parce qu'en fait, le DLC ils se sont dit: on va le mettre level 50! Quel dieu l'accueillera donc à sa mort? Du coup, bah moi je suis level 350. Les vers vont te dévorer. Du coup, ils se sont pas dit que ça allait poser problème. Que veux-tu? Je sens mes forces revenir. Non, en fait, tu vas juste mourir. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ensuite? Donc c'est bon, à la base, on s'en fout, il y a rien d'autre à récupérer, je crois. Juste des coffres, tout ça, mais ça, on s'en fout, à la limite. Ils sont regroupés au campement de Flan. Yes, c'est bon, on peut faire l'attaque finale, messieurs. Du coup, ouais, barre-toi, on s'en fout d'ici. On s'en fout, limite le coffre. Ouais, vas-y, histoire de juste dire qu'on a tout fait. C'est l'heure de mourir. Vous voyez-vous? Petit opale. Petit coffre des familles, et on se barre. Non mais, tu ne nous laissons pas distraire. Voilà. Problème résolu. Bien résolu d'ailleurs. Bien comme il faut, sinon vous pouvez venir. Merci, tu as fait preuve de gentillesse. De rien, je t'avoue que je t'avais pas vu tout à l'heure. J'aurais pu vous libérer plus tôt. Ok, donc on peut partir, parce que clairement les coffres, on s'en fout littéralement. Nous, on veut juste se barrer. Donc là, regrouper au campement.
Et là, nous allons enfin, monsieur, pouvoir leur casser la gueule. Accéder au combat final.